Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose encore un retour sur la reprise des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Déjà le 25 mars prochain, la 5e journée, le 29 mars prochain, la 6e et dernière journée. Mais ces éliminatoires vont reprendre, en tout cas sur fond de doute, dans plusieurs équipes nationales sur l'effectif qui sera réellement présent pour cette double rencontre, cette double confrontation, en tout cas d'abord en ce qui concerne la République démocratique du Congo contre le Gabon à Libreville, à Franceville, pardon, toujours au Gabon bien entendu, et ensuite face à la Gambie. On le sait maintenant, beaucoup d'internationaux congolais sont déclarés forfaits. Si pour certains, ce sont les clubs qui ont refusé, pour d'autres, c'est un choix personnel. Ici en République démocratique du Congo, c'est le cas de, Dieu merci, Mbokani qui ne sera pas à présent. Son club, le Royal Antwerp, qui se bat en tout cas pour la deuxième place au niveau du classement de la Jupiler Pro League, synonyme en tout cas d'une place européenne, ne veut pas lâcher son joueur expérimenté. Et Dieu merci, Mbokani, dont on espérait finalement le retour en équipe nationale après plusieurs années sans revenir. Vous savez qu'il y avait des problèmes au terme de la CAN 2017 lors de cette élimination face au Ghana. Beaucoup de Congolais étaient très critiques vis-à-vis de ce joueur et sa famille lui avait déconseillé de revenir en équipe nationale. Mais Dieu merci, Mbokani, au travers un message qu'il avait lancé au peuple congolais, avait souhaité revenir en équipe nationale et surtout aider sa nation à se qualifier pour le mondial 2022. Il ne sera pas là, en tout cas, le retour de Dieu merci, Mbokani, certainement reporté. Nous avons le cas de Timothy Fayulu, sélectionné par Christian Tsengibembe, mais qui se rétracte à la dernière minute à la faveur d'une sélection en équipe nationale suisse U21. C'est son choix. Il a eu à l'expliquer longuement, en tout cas sur un live qu'il avait eu à faire. Il a expliqué son choix, qu'il est à 100% international suisse. Nous respectons son choix. Il y a également maintenant Glody Ngonda, dont on espérait en tout cas voir sa présence ici avec son club de Dijon. Dijon qui a refusé de lâcher Glody Ngonda. Mais est-ce que cette situation ne va concerner que les Congolais, puisque dans ce club de Dijon, nous avons notamment deux Gabonais également qui évoluent de ce côté-là. Il s'agit bien de Kwele Manga et aussi de Ndong. Est-ce que ces Gabonais-là pourront venir pour prêter main forte à leur équipe nationale? Rien, en tout cas, n'est sûr. Donc, mais au niveau de Dijon, visiblement, le club ne veut vraiment pas lâcher ses internationaux africains, et c'est ainsi que Dijon bloque parmi ses internationaux Glody Ngonda, notre arrière gauche, ancien de l'AS Club. Et d'ailleurs, dernièrement, Ndong, justement du Gabon, déclarait en tout cas que ce n'est pas le Gabon qui me paye, c'est Dijon, donc je resterai là. Donc c'est ce que déclarait en tout cas Didier Ndong, qui s'est rétracté par la suite. Cette déclaration avait été rapportée par le quotidien local, le Bien Public Sport. Alors Bruno Ekwele Manga et Didier Ndong vont-ils être là? C'est une question que les Gabonais se posent aussi, peut-être un peu moins maintenant pour Didier Ndong, puisqu'il a eu à clarifier la situation. Nous allons voir tout à l'heure le message qu'il a publié, en tout cas sur sa page, je pense. Il y a également l'équipe de Saint-Étienne qui ne souhaite pas non plus libérer son international gabonais. Le club stéphanois qui joue sa survie en Ligue 1 et compte sur le Gabonais Boanga, qui est un pilier aussi pour l'équipe nationale du Gabon, tente en tout cas qui compte sur son international gabonais Boanga, et ce dernier tente de convaincre son club pour le libérer au moins pour le match contre la République démocratique du Congo qui sera le 25 mars prochain. En cas de
qualification assurée, parce que si le Gabon arrivait à gagner la RDC, que de l'autre côté la Gambie battait l'Angola, les Gabonais seront déjà qualifiés ainsi que la Gambie, et le match de la dernière journée ne sera qu'une formalité, et là Bouanga pourrait s'absenter. Donc si la qualification est assurée, le joueur comptait en tout cas de rentrer directement en France, ce qui allait lui laisser du moins 10 jours pour être éligible pour le déplacement à Nîmes le 4 avril prochain. Mais est-ce que Saint-Étienne va accepter cet arrangement que propose Bouanga? C'est bien possible. La Fédération Gabonaise de Football se bat aussi afin de trouver en tout cas un terrain d'attente avec les clubs de ces internationaux congolais. Nous avons beaucoup de joueurs qui évoluent du côté de UK en Angleterre qui sont bloqués, qui ne viendront pas. C'est connu, on le sait, puisque même Christian Tengibiembe ne les a pas sélectionnés en équipe nationale. Il s'agit de Yannick Yalabolasi qui retrouve peu à peu sa forme du côté de Middlesbrough. Il y a également Niskens Kebano. Mais on se pose la question sur la star gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang. Sera-t-il là? Est-ce que son club d'Arsenal va le libérer, puisque la FIFA a décidé que le club ne sont pas tenus en tout cas de libérer leurs joueurs compte tenu du contexte où nous nous trouvons actuellement. Alors il faut dire qu'au niveau de la France, au moins tout est clair pour le club de Dijon qui a publié un message officiel qui dit ceci. Dijon dit exactement ceci. Dijon a pris la décision de ne pas libérer ses joueurs internationaux évoluant hors espace européen lors de la prochaine trêve internationale fin mars. C'est un communiqué officiel, au moins c'est clair. Donc si un joueur veut s'hasarder à venir, il aura certainement des problèmes avec la direction de son en équipe. Je le disais, quant au Gabonais Didier Ibrahim Ndong, ce dernier a eu à publier aussi un message qui en tout cas révèle très clairement ses intentions. Didier Ndong qui déclarait il y a peu que ce n'était pas le Gabon qui le payait, c'était à juste titre, a visiblement peut-être changé d'avis. Il a peut-être un peu culpabilisé se voir ne pas participer à ces deux matchs-là qui pourraient peut-être coûter à son pays la qualification pour cette Coupe d'Afrique qui va se jouer au Cameroun, juste à côté. Didier Ndong visiblement a changé d'avis et veut être présent. Et si il s'avère que ce dernier vient effectivement participer à ces deux matchs de son pays sans le consentement de son club, il aura certainement des sérieux problèmes en club dès son retour, et surtout s'il s'avérait qu'il est blessé par exemple, ou qu'en rentrant en France, il devra bien sûr être mis en quarantaine. Ça c'est très clair. Alors Didier Ndong publie ce message, il dit ceci: quand tu sais où tu vas, il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Gabon ma terre, Gabon mon futur, mais aussi Gabon mon présent. En tant qu'ambassadeur de ce pays traversé par l'Équateur qui s'appelle le Gabon et muni de mon expérience dans la pratique de ma passion, le football, je sais faire la différence entre mon métier et l'amour de mon drapeau. Dans la vie, il y a des phrases qui sonnent mal, et ceux qui savent reconnaître une phrase orpheline, et lorsqu'elle porte la paternité d'un vaillant soldat de la patrie, ça se sait. J'ai encore en tête la balle de but à mon pied droit qui aurait donné la qualification au Gabon pour les quarts de finale de la CAN 2017 remportée par le Cameroun, et depuis lors je me suis mis en tête d'aller au Cameroun avec mes frères d'armes pour donner une joie immense à mon peuple, ce peuple qui nous aime tant et qui malgré tout a toujours été à nos côtés. L'objectif est clair pour nous, l'objectif c'est la qualification, et cela commence par ce 25 mars 2021 à Franceville, puis 3 jours plus tard à Luanda. Je vais paraphraser Yasser Arafat en disant au Gabon que ma langue se dessèche si je t'abandonne. Un message très clair de Didier Ibrahim Ndong qui défie son club de Dijon et qui annonce certainement qu'il n'abandonnera pas son pays, le Gabon. C'est un patriote, on peut applaudir pour ça. Les Gabonais peuvent être fiers d'avoir Didier Ndong comme compatriote, mais est-ce que ça vaut aussi la peine quand on sait que d'autres Gabonais peuvent défendre aussi les couleurs de ce pays sans Didier Ndong, puisque nul ne peut être indispensable
indispensable. Hein. On comprend en tout cas son combat. Bon, ce n'est pas parce que le Gabon joue contre notre pays, la République démocratique du Congo, qu'on s'en inquiète, qu'on s'en émeut. Hein. Mais on trouve quand même que la déclaration qu'il avait eu à faire auparavant, si bien sûr cela est vrai, parce que ça nous est rapporté, c'est une déclaration qu'il aurait fait en tout cas dans un quotidien local hein, de Dijon. Et Didier Ndong qui disait, qui déclarait hein, très clairement, c'est le quotidien Le Bien Public Sport, hein, il déclarait très clairement que ce n'est pas le Gabon qui me paye, c'est Dijon, donc je resterai là. Il disait qu'il restera là, mais finalement après, vous l'avez suivi, il n'abandonnera pas le Gabon. Nous, on attendra en tout cas pour voir hein, quelle sera la liste finale des Gabonais, en tous les cas du côté des Léopards de la République démocratique du Congo. Heureusement que les locaux sont là et ils vont suppléer certainement. La RDC va aligner une équipe qui sera compétitive et qui va défendre les couleurs de notre pays. Si nous devons tomber, nous allons tomber en tout cas sur le champ de la bataille. On ne va pas se dérober. On espère que toutes les autres équipes hein, pourront avoir en tout cas des armes égales hein, et aussi des 11 joueurs à même à défendre leur pays. C'est l'honneur du football africain qui en dépend. Mais quand même, hein, c'est une problématique hein, dont nous devons quand même parler aujourd'hui. Est-ce que les dirigeants de la CAF comprennent ce qui se passe? Parce que c'est mettre en difficulté les pays pour rien, alors que la FIFA a décidé de ne pas rendre obligatoire la libération des joueurs par les clubs. La CAF maintient quand même ces deux journées alors que qu'elle aurait pu tout simplement, par exemple, aligner ses éliminatoires, hein, la 5e et 6e journée de ces éliminatoires Cameroun 2021 au début de l'Euro. Ça permettrait en tout cas au moins au club de libérer les joueurs puisque pour l'Euro, il y aura la trêve en Europe. Donc voilà, un peu de difficulté. La CAF se met en difficulté pour rien et met en difficulté toutes les équipes, tous les pays africains, dont certains en tout cas n'ont que des joueurs évoluant en Europe comme faisant partie de l'ossature de leur équipe. C'est quand même triste hein, de voir que la CAF n'anticipe pas les choses. La CAF reste à la traîne hein, et dire encore que cette CAF était dirigée justement pendant ses décisions par un Congolais, Constant Omari, nous attriste encore beaucoup. Au plus, il fallait annuler la 5e et 6e journée et mettre ça pendant l'Euro. Les Sud-Américains ont compris, ils l'ont fait. Et donc là, il n'y aura pas de problème de conflit d'intérêt, hein, de conflit entre les joueurs et leur club. Il n'y aura pas de problème de conflit entre les internationaux et leur pays. C'est une décision sage, mais ici, on maintient Mordicus, ses éliminatoires et les conséquences sont là. Beaucoup de joueurs ne sont pas libérés par leur club puisque la FIFA ne contraint plus les équipes à libérer leurs joueurs compte tenu en tout cas de cette pandémie à Covid-19 et les restrictions, des mesures restrictives notamment à la sortie mais surtout à l'entrée dans ces pays-là. Il faudrait être mis en quarantaine et ça met des équipes en difficulté et des équipes qui parfois luttent pour leur survie en championnat, éviter la relégation. Voilà ce que ça donne, d'autres luttes en tout cas pour une place européenne et ça crée vraiment des problèmes. Voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous pour enrichir hein, notre réflexion. N'hésitez pas en tout cas à nous laisser un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification. Cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous osons croire que vous étiez nombreux à suivre très attentivement votre chaîne YouTube DMTV et nous espérons bien sûr vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.